Salut à toi tous les amis, c'est Gaming Louis et aujourd'hui on se retrouve sur Little Nightmare pour l'épisode de... je ne sais plus combien. Oh merde. Nage mon petit, nage. Bah quoi? En plus il m'a mis là en mode tu dois aller là avant. Faut que je remonte. Il y a des mecs. Non, c'est des mouettes. Ils sont gigantesques. Mais en fait je suis sur un bateau. Putain. Attends. Je sais pas si c'est un bateau. Ah ouais, ça c'est un bateau. Putain, j'allais me dire aussi gros. On dirait un jouet. On voit une petite boule au loin jaune qui brille, c'est moi. Et moi je continue de monter cette échelle infinie. C'est fou, elle s'arrête là. Oui, je sais. En fait, c'était pas des mouettes, c'était des personnes. Ce sont des monstres. Alors des juste des personnes de se barrer, enfin de marcher. Ok, c'est ce nouvel épisode de Little Nightmare commence très bizarrement ma foi. Alors c'est dérangeant, vraiment dérangeant. D'accord. Waouh. Ok. Si jamais il me voit, ils vont rien faire. C'est la meuf du début. La meuf du début, ça a un nom en plus, les meufs comme ça. Des putes. Non, je rigole, mais ça a un vrai nom par contre. Ah, puis c'est sur thème japonais et tout, je vais kiffer. Par contre, si jamais, imagine, je tombe sur la tête d'un mec, tout le monde se retourne. T'imagines le malaise? Ça, c'était du hard pro gaming, tout ce que tu veux. Shit. La gueule qu'il a. Oh, le festin qui se fait. Ah putain, j'ai faim. Du coup là attendez hein. J'ai un léger problème avec ma manette, je crois. Ça
C'est totalement faux, j'ai demandé à bouffer kebab à ma mère ce soir. Car... Ouais! Ouais! Wow! Là, je peux pas me cacher. Allez, mais monte au-dessus! Putain, il a failli me choper! Regarde-les, ils ont tellement faim d'un jeune enfant comme moi. Attends, j'aurais dû me lâcher là, par contre. Pouf! J'ai cru qu'elle m'avait chopé. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui m'a vu. Oh. Je lui fais un câlin. En fait, tout à l'heure, il y en avait d'autres. Pourquoi je les ai pas chopés? Bien, pardon. Non, mais casse-toi. Bon, à force, tu deviens chiant. Je crois que c'était un secret, fallait que je passe par là, c'est ça. Bon bah c'est parti hein. Ok. Non. Oh, je suis tombé à côté. Non mais ça va, ils sont tellement occupés à bouffer, ils ont dit oh, juste touche pas ma bouteille. Ouais. Attends, mais faut que j'aille où? Me dis pas qu'il faut que j'aille au-dessus d'eux. Tu sais, là pour moi c'est chaud ça, tu vois. Normalement là ils me touchent pas. Là ils arrivent pas à m'avoir. Ah! Non. Putain, le couteau. Non! 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 Bon. Le couteau m'a gêné. Le couteau, j'espère que je peux le dégager, sinon ça va me gêner. Ok. Les gars, franchement là, c'est le meilleur truc que j'ai fait depuis depuis le début. Il peut pas me choper. Vous montez. Ok. J'ai réussi. Les gars, je vais y aller tout doucement. C'est où après? C'est devant. Waouh, je sue. Waouh, les gars, je suis en sueur. Je ne veux plus jamais refaire ça. Ok. Ok. Ah.
C'est quoi ce bordel? Oh shit! Paf! Ouais, et après... Non! Ah, je crois qu'il va m'avoir. Tu peux rien faire, hein. C'est ce qu'il fallait faire. Wow. Oh la chance. C'est bon, c'est passé. Il m'a fait peur ce con. Fallait que je me cache. Vas-y, tue-moi. Ok, fallait que je me cache en fait. Oh putain, j'ai eu peur. Il m'a fait peur. Attends, me dis pas que je recommence avec les autres ou je dois... Non, c'est bon. Ok, donc là on l'a tous vu. Voilà, impec. Ok. J'ai compris ce qu'il faut faire. Ou pas. J'ai compris. C'est ça. Ok. Ok. Donc ça, en fait, je viens de voir que c'était des collectibles, en fait. J'entends un cochon, les gars. What? J'en étais sûr, vous savez quoi maintenant? Non! J'ai oublié de sauter. Normalement, je passe en dessous. Ouais. Paf. Allez, monte. Sa mère. Putain, un con qui est tombé. Ouh. Là, il y a un chapeau.
petit chapeau là. Ah, j'ai encore faim. Ah, mais là, il n'y a pas de bouffe, je parie. Ah, si, là-bas, il y a un truc. Non! Ah, il attend, il a une saucisse. Non! Oh mon Dieu. Je regarde trop. T'avais juste une saucisse là. Que t'aurais pu manger, tiens, je te mets ta saucisse là. Non, mais non, c'est affreux. En fait, j'allais dire, hein, j'ai l'impression, plus on avance dans le jeu, plus, bah du coup, Six, parce que c'est son nom, plus Six est la fin. Ah, il y a la pute là. Il faut faire quoi? Faut la suivre. On va faire quoi? Il y a un bouton. Je peux interagir avec le bouton au pire. Ça appelle l'ascenseur. Bon bah c'est parti. The chess area. C'était la pire truc. Franchement, les gars, c'était le pire truc. Putain, non, je te jure. D'ailleurs, les amis, j'allais, comment dire, continuer du Little Nightmare parce qu'il y a des DLC, tu vois. Il y a trois DLC, je crois. Et avec les trois DLC, je voulais les faire, tu vois. Quand je vois que les vidéos Little Nightmare ne rapportent aucune vue pratiquement. Eh ben, ça me donne plus du tout envie de continuer. Mec, il y a des mannequins partout. C'est dérangeant. Oh. Faut une clé. Et on peut pas voir ce qu'il y a derrière la porte. Bon. Y a une porte. Ouverte. Je peux, j'allais aller vers elle. Ça va pas l'attirer? Elle est où?
Il y a une statuette. On voit même pas le miroir dans le reflet, donc c'est con. Peut faire un truc avec l'armoire, non? Mais il y a un problème en fait. J'ai oublié qu'il fallait que je prenne une clé. Attends. Non. Ah, elle était dans la clé. Elle était dans le vase. Un truc qui est bâtard, c'est quand tu cours, tu dois appuyer sur I, sur carré, pardon. X, c'est ce. Merde. On va garder la clé parce que j'ai déjà fait bugger une clé dans un des niveaux là, avec le mec au long bras. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Oh! Faut se cacher. Non, j'ai peur. Ah! Ouah, elle fait flipper! Elle est terrifiante. En fait, j'ai l'impression... Faut juste courir, en fait. Ouais, regarde. C'est ça. Le cri que ça a fait. Pourquoi des miroirs brisés partout avec des mannequins? Attendez, mon perso est essoufflé. Pourquoi elle est blessée comme ça? Ah, il y a un truc là. Sauvegarde. Ah, il y a un truc là. Non, en haut. C'est un miroir. Pourquoi faire? La meuf, elle est là-bas. Faut pas que je la vise avec le miroir quand même, si. Me dis pas. Oh, c'est terrifiant! J'ai pas compris. Faut faire quoi?
Ok, donc là on va reprendre le miroir du coup. Ah, il faut que j'aille dans les endroits de lumière et que je la vise avec le miroir, c'est ça? Ça se peut, c'est pas du tout ça, faut juste que je prenne le miroir sans me faire choper. Ok. Donc là on va arriver là-bas, elle va disparaître. Elle est partie. Et après. Là il y a un truc de lumière là. Ok, c'est ça! Ensuite, ça va s'éteindre, je parie. Voilà. Ensuite, là. Je parie, elle va venir par là. Maintenant, par là. Tiens. On est en train de la battre, les gars. Il faut faire ça combien de fois? J'espère pas beaucoup. Parce que j'ai l'impression que ça. Ok, là, juste là. Ça devient plus rapide à chaque fois, ces apparitions. Ça prend beaucoup plus de temps et. Là, vieille pute. Quoi? Mais l'autre, elle triche. Je suis pas dupe! Ok, par contre, ça risque d'être compliqué là. Ok, c'est où? Là, juste là. Ok. Concentré. Ok, là, elle est là. Là, derrière. Meurs. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, la lumière divine. Tiens. Ok, là, c'est plusieurs fois. Faire gaffe, faire gaffe, faire gaffe. Le truc s'est cassé. Le miroir s'est cassé, je l'ai fait 7 fois en tout, je crois. Oh non, j'ai compris, on va la bouffer. On va la manger. C'est ça? Les gars, quand j'avais dit que ça allait devenir pire à chaque fois. Là, je vais bouffer. Ah ouais. What? C'est comme ça qu'on a les pouvoirs de Six. Donc là, je vais pouvoir me téléporter, c'est ça? Terrifiante. C'est terrifiant. Ok, donc là on est en train de se faire envahir par le comment ça s'appelle? La rage. Oh non, j'ai l'impression que c'est la fin du jeu. On passe à côté de tous les gros qui m'ont fait chier. Quoi? À toi aussi? Tu sais quoi, je vais faire comme les méchants. Je vais tout droit. On les a tous tués. Là,
rage. La libération. On va monter des escaliers. Oh là 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 là. Ah, je croyais que c'était tout seul, genre. La musique qui s'en va au loin. The lady's car quatrains. C'est long. Mais au moins. Oh, regardez, il y a les petits gnomes là. Qui s'enfuient avec moi. Ah, il y en a deux parce que c'est vrai que j'en ai attrapé deux. Non, là, ça veut dire que c'est la fin du jeu. On devient surpuissante. Bah putain, je pensais pas que ça allait être la fin du jeu, les amis. J'ai adoré. Bah, j'ai préféré le 1. En vrai, non. J'ai kiffé les deux. J'ai kiffé les deux. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Donc, c'est la fin de Little Nightmare 1. Et maintenant, on connaît beaucoup plus de choses. Donc, si jamais t'as pas vu la fin de Little Nightmare 2, je vais pas te spoil. Même si je dois le faire, malheureusement. Donc, si jamais t'as pas vu la fin de Little Nightmare 2 et que tu veux la voir sans faire spoil, je t'invite à quitter la vidéo. Voilà, je te laisse 3 secondes. Et au passage, si jamais tu veux finir la fin de Little Nightmare 2, moi j'ai fini Little Nightmare 2 en un jour. C'est vrai que les épisodes ont été très longs. D'ailleurs, j'hésite à les ressortir pour les faire moins longs. Du coup, alors moi je pense que à la fin. Alors, il n'y a plus personne. Hein, à part ceux qui veulent écouter ma théorie. Pour moi, je pense que à la fin de Little Nightmare 2, Six fait tomber Mono. Donc le perso qu'on joue. Fait tomber Mono dans le vide, dans l'oubli, pour le sauver, parce qu'on voit en fait que Six devient en fait cannibale. Donc au début, elle a mangé le truc que le jeune nous a donné. Ensuite, elle a mangé une saucisse dans une cage. Jusque-là, tout va bien. Après, elle a mangé un rat. Donc tu vois, au bout d'un moment, la famine, elle commence à se poser. Ensuite, elle mange un gnome. Et ensuite, elle mange la femme. Donc, elle mange la femme là. Et donc, on comprend que, en fait, si Six serait resté avec Mono, au bout d'un moment, Six aurait peut-être mangé Mono à cause de la famine. Car on voit. Pour moi, c'est ça. Mais le truc que je comprends pas, c'est pourquoi Six n'a pas utilisé ses pouvoirs. Les pouvoirs qu'elle a eu là maintenant, parce que je veux dire, ils étaient exceptionnels, les pouvoirs. Je veux dire, elle passait juste et tous les autres mouraient en fait. Donc, si vous avez kiffé la série Little Nightmare, alors moi je peux vous le dire, j'ai adoré, j'attends avec impatience un Little Nightmare 3. Mais franchement, j'ai kiffé, même le Little Nightmare 1 est beau. Alors, moi j'ai un pote qui m'a dit, bon, il est un peu moins beau que le premier, c'est normal, tu vois. Que le deuxième. Mais moi j'ai adoré les deux. Je veux dire niveau c'est sûr, après au niveau des sons, par contre j'ai remarqué Little Nightmare 2 est mieux fait, mais c'est sûr, parce qu'il est beaucoup plus récent aussi. Mais je veux dire, il était pas non plus dégueulasse. Je veux dire, avec les écouteurs, après c'est sûr, si jamais je refais Little Nightmare 2 avec les écouteurs, mais là il y aura de un gros changement, tu vois. Les amis, on a une petite cutscene. Thanks for playing. Merci. Back. Il y a un bateau qui passe loin. Du coup, les amis, je voulais vous dire que
Déjà, je voulais tous vous remercier, tous ceux qui regardent la vidéo, en vous abonnant et en likant la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire si vous voulez que je fasse les extras. Donc, tu vois, t'es non, c'est pas ça, pardon. Chapter Selection, j'ai eu peur d'appuyer sur New Game parce que voilà quoi. En fait, c'est vraiment le truc avec tout le monde qui mange qui m'a fait presque détester le jeu. Parce qu'en fait, si toi, il n'y a pas genre un moyen plus facile d'y atteindre, bon après, tu vois, c'est le jeu, tu vas me dire, c'est normal. Donc, tu vois, là, c'est fini. Ah, le jeu est fini. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 5 chapitres. C'est court, mais. Alors, mon chapitre préféré, c'est celui-ci. Celui que je déteste, c'est celui-ci. Celui que j'ai trouvé le plus badass, bah, c'est le dernier, je vais pas te mentir, avec la meuf là. Où il faut la battre avec le miroir. Et voilà. Alors là, c'est des trucs où il faut acheter. Donc il y en a trois, des petits chapitres où on doit acheter pour y jouer. Donc, en vrai, à vous de voir si. Oh! Tu vois, Smash Statues. Là j'en ai une sur deux et puis là des hang-gnomes, donc les gnomes, donc c'est ça. J'en ai un sur trois. Là j'en ai une seule des statuettes. J'ai deux gnomes sur quatre et une statuette. Et là j'ai une statuette sur une, donc là c'est bon, je l'ai fini 100% le niveau là. Est-ce que je vais refaire les trucs? Non, non, non. Par contre, un truc qui me dérange, c'est. J'ai oublié le nom, putain. Les bougies et les lampes comme ça, là. À quoi ça a servi, du coup, je sais pas. Du coup. Là, si. En fait, il faudrait faire un sondage comme ça pour me dire, parce que j'ai pas non plus envie d'acheter les trois. Tu vois, d'abord, j'en achète un pour voir si c'est bien ou pas. Après, je pense pas que c'est Six qu'on a, tu vois, comme personnage, mais juste un mec comme ça. À moins que c'est Six, j'en sais rien. Mais là, tu vois, sur les photos, les trucs, déjà, ça se voit, c'est pas Six. Donc je me demande si ce serait pas mono. Donc voilà. Bref. J'espère que vous avez adoré ce let's play en ma compagnie. Donc je sais que c'est un assez vieux jeu. J'aurais pu le faire plus tôt. Non. J'ai pas pu le faire plus tôt parce que. En fait, j'avais pas non plus envie de faire un let's play. Et je tiens juste à expliquer à certaines personnes pourquoi je les fais rapidement les let's play. Alors, moi, les let's play, c'est pas que je veux pas me faire. C'est pas que je me fais chier au montage et tout. Au contraire, tu vois, des fois, je passe sur des trucs parce que. À un moment, je me suis vraiment énervé sur la partie où il y a toutes les personnes qui mangent. Donc je me suis vraiment vénère là et puis j'ai carrément coupé toute la moitié, donc il y avait que 5 minutes de vidéo, donc j'allais pas vous mettre ça et puis vous allez dire mais il y a que 5 minutes. Donc là tu vois j'ai fini le jeu, je vais coller l'autre partie, voire même peut-être je vais l'enlever, ou alors je vais prendre une partie au moment que j'arrive là-bas, tu vois comme ça c'est raccord et tout. Et je vais faire un beau truc au montage et puis ça se peut vous verrez rien, vous verrez du feu. Sinon, ouais, franchement, j'ai adoré Little Nightmare 1 et le 2. Il y a beaucoup de théories, et c'est ce que je kiffe. Ça me rappelle Five Nights at Freddy's parce que tu vois, t'as toutes tes théories. Il y en a des vraies, il y en a des fausses. Donc pour moi, c'est celle que moi je vais te donner. Donc c'est ma théorie à moi. Il y en a qui disent que oui, il a lâché parce que Six a lâché Mono parce que c'était pas elle. Elle a été contrôlée par le monsieur en costume là, donc Mono. On a vu à la fin du 2 que c'était Mono. Si jamais tu me dis que tu m'as ce que je t'ai spoilé, je t'avais dit, hein, j'avais prévenu, vous devez partir. Bref, on arrête de parler de ça.
moi je vous dis au revoir là maintenant vraiment. Et je vous souhaite. Je raconte. Oula. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Boubi!